Allo TikTok, moi c'est Jean-Michel Mimé. Je suis là pour parler avec nous de sexe, de genre, de sexualité, féministe, droits humains, etc. Je ne suis pas un expert, mais plus ou moins j'ai une petite opinion sur le sujet. Et je suis là pour partager avec nous. Ok, on a parlé de compulsory hétérosexualité, que je vais essayer de traduire par hétérosexualité obligatoire. C'est une théorie qui fait qu'on est que, vu que l'hétérosexualité est toujours assumée, toujours assumé que tout le monde est hétérosexuel, il a surtout imposé ça à monde qui pas garçon et à fille. Le truc, c'est que nous vivons dans une société qui est très patriarcale. Et sexualité a tourné autour de garçons et pour garçons. Société a patriarcale et société a hétéronormée. Ok, je vais laisser rendre ça plus clair pour nous. Théorie a peur de nous comprendre ça qui fait qu'il y a un pile fille qui queer, elle me dit queer la LGBT, I+, etc. etc. Un pile fille qui queer fait coming out très tard dans la vie, ou du moins, il y a pas quelque monde c'est très tard dans la vie, on parle de mesdames surtout, que vous rendez compte que vous queer. On va le développer toujours. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'exemple de sexualité qui n'a pas tourné autour de garçons, vraiment. Le fait que mon n'y a pas joué une sexualité, exemple de sexualité qui n'a pas tourné autour de garçons, c'est exemple ça qu'on connaît. Ça fait grand pile fille à un moment, bon, fille avec mon qui n'a pas garçon, qui à un moment de la durée, t'es vraiment avec garçon, obligé vraiment avec garçon, qui a fait des années avec garçon, et même arrivé marié avec des garçons. Nous ne pouvons pas nier le fait que il y a un certain confort dans fait ça que vous montrez là. Donc, c'est schéma ça qu'on est, c'est exemple ça qu'on est, c'est toujours avec un certain confort, dans conformer à sa courrier. Et bon, en général, mon pas fin tout remet briser status quo. Bon, théorie ça, bon, ça me fait le summum. C'est une théorie qui est surtout utilisée pour décrire les lesbiennes, les appareils de lesbiennes, surtout, avec d'autres mesdames. Mais, il présente un pile d'autres facettes dans la communauté noire. Donc, c'est une théorie qui aide à nous comprendre. Ça qui fait yo toujours gagne une sorte de effacer à effacer identité monde qui bisexuel yo les on fille bisexuel ou après on dit que il juste envie faire expérience avec fille pareil mais que si on hétérosexuel les on garçon bisexuel yo dit c'est gay il gay en cachette et puis prend fait pour couverture ou autre c'est parce que à cause de hétérosexualité obligatoire là nous pas arriver comprendre société pas arriver imaginer une sexualité qui pas faite autour de garçon et pour garçon. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Commentez, partagez, like. Bye.